Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Julien Gamer 32, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Eh bien écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette 9ème partie sur le Let's Play de LEGO Jurassic World. Alors, pour info, ça a été développé par Traveller Tales, édité par Warner Interactive. C'est un jeu de type action-aventure plateforme sorti le 12 juin 2015 sur PC et console. Et c'est déconseillé au moins de 7 ans, voilà pour les infos. Alors, dans la dernière vidéo, un note qui a été longue à venir puisque j'ai eu un problème et avec mon internet à nouveau et avec la migration avec Windows 10, mes programmes, que ce soit Sony Vegas ou Corel Video Studio, ne fonctionnaient plus. Sony Vegas crachait au démarrage et Corel crachait dès que j'importais ma dernière vidéo que je vous avais faite, à savoir pour chasser. Voilà, donc j'ai dû la reconvertir dans un autre format lisible. D'où les petits bugs visuels que vous pouvez avoir, comme les micro-freezes de la vidéo ou autre. C'est dû à la conversion que j'ai dû refaire entre-temps. Donc je m'en excuse si vous avez des petits soucis avec ça. Normalement, celle-ci n'a plus de problème, puisque je suis retourné sous Windows 10, mais cette fois-ci, là, je tourne avec une version propre de Windows 10. Pas une version mise à jour Windows 8, hein. Qui, en plus, pour l'instant, n'est pas la version officielle de Windows 10, mais bon, ça va venir. Je l'ai précommandé en version clé USB, parce que... Comme je vous l'avais peut-être dit dans la vidéo précédente, j'ai acheté Windows 10 et je me suis retrouvé avec une version OEM, donc associée à la machine. Si je change de composant, je suis baisé après. Donc j'ai préféré le rendre, ce Windows, et m'acheter une version retail. Mais vu que j'ai des gros problèmes internet, j'ai pas acheté la clé par internet depuis la boutique Microsoft, puisqu'ils n'ont que ça en disponibilité, ils n'ont pas de disque physique. Apparemment, c'est pas prévu d'après le service client. Donc, je suis allé sur Amazon et j'ai précommandé la version clé USB qui ne sort que début septembre. Donc, il va falloir que je sois un petit peu patient pour avoir une installation des plus propres, c'est-à-dire avec ma propre clé de licence à moi. Mais bon, trêve de bavardage, on va retourner au jeu en lui-même. Alors, le niveau précédent s'appelait pour chasser, voilà. Donc, il nous reste plus que deux niveaux à faire, à savoir centre de communication et San Diego, voilà. Alors, ben on va faire un premier centre de communication, et vu que je vois qu'on y est pas loin, on va y arriver. Tropette, on va s'y rendre hein, directement. Voilà, on y est déjà en plus, c'est génial. Donc, qui dit centre de communication dit presque la fin du deuxième chapitre. Eh oui, pratiquement la fin, mais bon, c'est pas méchant, hein. Il reste deux grosses parties à faire, 2x5 niveaux à venir, à savoir Jurassic Park 3 et Jurassic World. Alors, le niveau est ici, hop. Et on va la lancer tout de suite en mode jeu libre. Comme vous pouvez le voir, j'ai rien récolté ni en briques, ambre, ni en mini-kit. Hein. Donc je vais découvrir avec vous et j'espère que ce sera cette fois-ci le brachiosaure. Ce serait génial pour pouvoir me faire mes briques dorées qui me manquent dans certaines parties du jeu libre. Et que je ne peux débloquer qu'avec le brachiosaure. Voilà, donc on se retrouve juste après la cinématique. Allez, c'est quoi ce... Ian Malcolm, allez on va prendre lui. Allez, à tout de suite. Avec Monsieur ADN, on apprend en s'amusant. Nick ! Nick ! Nick Van Owen ! Et voilà, donc on se retrouve encore dans la zone avec ces maudits raptors qui veulent toujours nous becter, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, ils se bagarrent entre eux, mais bon, voilà. Ils essayent quand même de nous becter. Ça n'a pas changé. Bon. On ne peut pas m'approcher, c'est bizarre. Je vais prendre un personnage avec le fusil pour pouvoir péter... Ah ben, tiens. On ne peut pas s'approcher, mais heureusement que j'ai pu m'approcher parce que c'était un mini-kit, justement. Ouais, mais j'aimerais bien avoir un truc ici. Tiens, lui, il peut tirer. Voilà, comme ça j'ai mon objet et je laisse tout propre comme je fais à chaque fois. Hop, on va mettre à nouveau notre Ian Malcolm. La star du jeu, du niveau, puisque c'est lui qu'on contrôlait dans le jeu de base. Et comme on a pu le voir dans la cinématique à l'instant, il y était avec sa fille et je sais plus comment elle s'appelle.
la donzelle. J'ai pas les pas la mémoire de nom. Alors, toujours pareil, c'est ma barre de progression centrale est terminée. Mais je préfère la terminer, on va dire, complètement. Ah bon, tu traverses, attends pas qu'on ouvre. Marqué dans le jeu de base. Ah, il manque 3. Dans le jeu de. Dans l'histoire solo, donc quand on la joue, on a 3 personnages. Et donc, on a la gamine de Ian Malcolm. On a. Ian Malcolm aussi, et donc la troisième, comme je vous disais. Et Ian Malcolm et la gamine attendent de l'autre côté. Ils attendent justement que je répare le treuil pour mettre en place tout le. Pour ouvrir la porte, quoi. Alors, est-ce que j'aurai le T-Rex le Vélociraptor. Non, il n'est pas là. Donc, on va tout de suite l'attraper. Allez, bleu. Sniff. Vous saurez pourquoi il y a des vélociraptors différents, bleu, marron, machin, tout ça. Ça viendra. Oula, une profuse. Ça viendra. Mais oui, les petits. Arrêtez de m'attaquer là. Voilà. Voilà. Hop. Tant qu'à faire en détruit, tant que j'ai un gros, comme ça. Voilà. Ça, c'était pas prévu, je l'avais pas vu dans l'histoire solo. Un petit QTE. Ah, quoique, je l'ai peut-être eu, mais j'ai pas fait gaffe. Comment qu'elle s'appelle là? Sarah Hardin. Hardin, d'accord. Comment se fait-ce que je n'ai point le kit de réparation? Ah, parce que je crois que voilà, c'est Sarah Hardin qu'on peut incarner, qui est notre collègue dans le jeu, donc on attrape celle-ci et elle trouve le treuil. Voilà, c'est ça. Le treuil qu'on met à la voiture pour la réparer et voilà, on accroche à la porte pour l'ouvrir. Je perds un petit peu de temps à faire ça, mais bon, je préfère avoir le niveau entièrement nettoyé. Enfin, nettoyé, quand je dis ça, ouais. J'aime bien tout ramasser, malgré que j'ai tout ce qu'il faut. Il me faut un personnage qui tire. Non? Mais toi, tu tires de l'électricité, ça va me servir, t'as justement. Voilà, justement. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, tu m'ouvres ça. Ah, la brique ambre. Impeccable. Même si elle n'était pas bien indiquée, elle y est. Alors ça, j'en ai construit un. Faudra que je fasse attention de construire les autres. Oh oui, ça va, ce n'est qu'un peu de merde. Oh, j'ai ça à détruire. Hop. Ah, là, il me faut Ian Malcolm, justement. Pour voilà, pour activer l'électricité. Oh, bingo. Allez, monte, sois pas feignasse. Ça doit faire je sais pas combien de temps qu'il est à l'arène, mais bon. Ah voilà, comme ça on nettoie tout, même les plantes. Enfin, je finis le jeu, au moins on voit qu'il est propre. Bon, mis à part les objets qu'on construit comme ça, comme l'objet Lego. Mais le reste, là voilà, c'est du sol propre. Ah, ça c'est de la transparente. Et là il reste des trucs où on peut tirer. Et celui-là on peut pas la péter. Ok. Et celui-là on peut. Ouais, celui-là on peut. Alors peut-être qu'on peut faire l'autre depuis l'autre côté. Non? Bon, en fait celui-là il est bloqué. Ok, c'est pas méchant. C'est pas méchant. On va continuer d'avancer.
Ah oui, mais non, c'est scripté. Okay. Alors, hop, on a normalement la possibilité d'incarner la gamine. Voilà, elle. Et elle a le pouvoir de crier pour casser les vitres. Parfait. Allez, assomme-moi ce petit connard. Le petit dino. Ah, fais-moi le ménage là-dedans. C'est dommage, il y en a quelques-unes que j'ai ratées. Bon, c'est pas grave. Faut terminer de nettoyer, tant qu'on y est. Voilà. Et on rallume. Oh putain, je me suis fort aujourd'hui. On rallume le système électrique qui va relancer la pompe. Et bingo. Il avait une façon de sauter. Ah, un QTE. Logique. J'avance dans l'histoire. Allez, casse-toi le vélo. Allez, on va tirer la pompe. C'est vrai que les pompes sont tellement difficiles à tirer. Allez, fais le plein. Et 1, et 2, et 3. Allez, fais-moi le plein complet. Nickel. Ah, parce qu'il clignote, ce qui bouge derrière, c'est justement le dernier truc à monter. Allez, monte dans la voiture. Ah, au moins il en manque un. Il y en a plus, il y en a un au moins, c'est déjà bien. Nickel. Ah, voilà, un mini kit ici. Il n'y a rien à nettoyer. Non, tout a été fait. Allez, je vais chipoter, mais je vais détruire la lumière ici. Voilà. Et je reprends bien Malcolm qui peut allumer voilà, des ampoules. Pour les ramasser, un mini kit manquant ici. Voilà, on se retrouve. Les trois sont faits. Et là, ben, le but du jeu, c'est rentrer dans l'entrepôt. Ah, ah le truc... Ok, donc c'est Ian Malcolm qu'on incarne. Donc on va garder uniquement ces deux personnages. À savoir la fille de Ian Malcolm, vu qu'il est occupé à tenir la porte. Mais ça, ça a été scripté. Ah, il me faut une clé. Pardon, autant pour moi. Alors, on va prendre Sarah Aldin. Fais des photos pour jouir. Voilà. Allez, tourne-moi cette clé. Et la gamine avait hurlé. Elle a un coin de l'armoire des trucs. Par contre, ouais, voilà, il en reste un petit peu à casser ici. Ah, ça, ça disparaît. Ok, sinon j'allais le casser. Ah, le point de sauvegarde. Hop, et voilà. Donc on prend un personnage qui s'est sauté. Comme elle, justement. Allez. Un personnage qui sache tirer comme elle. Ah mince, je peux pas viser dans ça. Eh ouais, je peux pas viser à contre-sens. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein.
encore un QTE. Ils sont faciles à réaliser ces QTE. Voilà, là il me faut Yann Malcolm, Rex Famba en train de tenir la porte. J'ai besoin de récupérer des trucs. Voilà, ça c'est fait maintenant. Alors, construisons l'échelle qui va servir. Voilà. Bon, c'est un peu débile puisque je possède Yann Malcolm. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Hop, allez, prends des photos et brûle-le. Bon, et les briques, les mini-kits sont plus hauts. On voit la flèche là. Mais là, il n'y a pas à chier, j'en récupère. Mais qu'est-ce que tu fais? Remonte, Payload, là. Là, il y a un champignon ici que j'avais pas pété. Moi qui voulais laisser le niveau bien propre. Hop. Encore du mini-kit... Du panneau reconstruire. Voilà, c'est en fait tout simplement... un truc pour sauter. Hop. Allez, voyons, démarre-toi bien. Et voilà. Par contre, une zone d'ombre. Est-ce que Monsieur Yann Malcolm va allumer ça? Y a rien à faire ici. On peut allumer cette zone, ouais, mais... ça ne donne rien. Je pensais, ça aurait pu... allez. Là. Voilà, on va plus vite parce que sinon on va jamais finir le niveau assez rapidement. Tiens, tiens, tiens. Voilà, go. Là, alors. On va prendre la gamine vu que l'autre, la journaliste, est déjà là. Enfin, la journaliste. Voilà, bingo. Ah, un petit affaire passée. Alors déjà, on va faire péter la vitre. Voilà, comme ça c'est réparé. On va prendre un petit personnage. Voilà, on le fait passer sur une zone que je ne connais pas. Eh oui, une zone cachée. Mais bien cachée, qui m'empêchait de récupérer un sixième mini-kit. Voilà. Et le niveau est propre en plus, parfait. Enfin, c'est propre. Bon, l'autre elle vient pas, donc je vais me retransformer en journaliste. Enfin, journaliste, non. J'étais avec ma journaliste. Allez, on appuie.
Ah putain, les coffres, les coffres, ouais. Et voilà. Salut. Alors, il nous reste 4 mini-kits à ramasser. Et, miracle, il y a 4 flèches indiquées. Donc c'est parfait. Avant de sauter partout, on pense à tout bien nettoyer. Hop, mais il en reste là-bas à ramasser les trucs. Voilà, donc prenons un personnage qui s'est réparé. Comme lui, par exemple. Ah, il y en a 3 à réparer. Un mini kit dans le dans la ventilation. Hop, on nettoie comme d'habitude. Tout est foutu. À part ça, mais ça, on s'en fout. Ah, là il y a du... Là il y a de la pièce à ramasser. Bon bah comme d'habitude, comme vous pouvez le voir, on a déjà 74 000. C'est assez facile de trouver les pièces nécessaires pour remplir votre jauge quand vous jouez en solo, hein, bien entendu. C'est très très facile, il n'y a pas de réelle difficulté. Il n'y a pas de réelle difficulté à obtenir ce que vous avez besoin. Tiens, par hasard, le truc qu'on a reconstruit, on peut le détruire? Non. Et ça? Oh punaise, j'ai failli oublier tout ça, moi. Eh bien, eh bien. Ça disparaît, tout? Ouais, tout disparaît, tout est propre. Parfait. Ah, il y a un truc à réparer au fond. Très bien. Oui, d'ailleurs, un truc à réparer. Hop là. Je crois qu'il nous aime pas beaucoup, hein. Alors ça, on va le réparer de suite. Ça fera deuxième antenne. Voilà. Alors là, il faut monter, mais je vais pas le faire de suite. Hein. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait la dernière fois, je n'ai pas fait de l'exploration sur la partie droite du niveau. Je crois que j'avais même pas détruit ce qui restait à détruire. Enfin, j'avais fait ça un peu à la va-vite. Enfin, un peu à la va-vite, non, mais. Ah, bah oui, j'avais pas vu ce QTE. Bim! Casse-toi, le vélociraptor. Hop, j'ai tapé mon micro, désolé. Tout ça en m'étirant. Ouais, non, on peut pas y aller. Ok. Eh ben donc on va monter là-bas, hein, puisque tout se passe là-bas, j'ai quand même une kit 7, et il y a 3 flèches encore, ou 2-3 flèches, enfin... On va vite devoir... Allez, sors-moi une tuile. Sors-moi 2 tuiles. Et sors-moi la dernière. Ouais, il y a bien 3 flèches là-bas. Ça, ça détruire. Et ça, ça détruire. Il n'y a rien d'autre à détruire? Non. Il faut récupérer juste ça. Monter la moulinette. Voilà, baisser l'antenne et orienter la parabole prête à être grimpée. De façon de dire. Elle sert de tremplin. Voilà, elle sert juste de tremplin pour sauter. Alors, ça, on détruit. Ça, on détruit. Ça, on répare, par contre. C'est le mini-kit numéro 8. Voilà. Alors, on va attraper ça. Voilà. Mini-kit numéro 9. Ah, il fallait pas sauter. Ok. Numéro 9, impeccable. Et le numéro 10 qu'on obtient avec le réparateur.
Je peux l'avoir. Le voilà. Avec ça, si le niveau n'est pas nickel, je sais pas quoi faire. Hein. Et voilà. Donc j'ai tout. La brique ambre et les 10 mini-titres comme on peut le voir. Allez, en route, en route ! Il doit y avoir d'autres survivants ! Il y a un autre hélico qui arrive ! Et voilà, donc niveau terminé, comme à son habitude. Alors j'espère que cette fois-ci ce sera le Brachiosaur, comme je le souhaite. Ce serait vraiment génial. D'abord le véritable survivant, mais je l'ai déjà eu. Allez, hop, voilà, ça c'est débloqué. Les 10 mini-kids, voyons. Ah, un animal à quatre pattes. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah non. Oh si. Oh, je sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute. On va vite le voir avec la brique ambre qui a donné le nom du dino. L'apatosaure. Ah, ah, c'est pas le braqueur comme je l'espérais. Hein. Mince, il est assez grand, lui. Je vais rêver dans mon jeu solo. Alors, hop, on retourne sur l'île. Et donc voilà, le niveau est terminé. Eh ouais, il nous reste plus que le dernier niveau qui est là-bas tout au fond. Ben en fait, tout simplement, l'endroit où c'est qu'on est ici, c'est le niveau qu'on a fait de nuit. Voilà, avec la passerelle qu'on avait grimpée. Enfin, on était sorti par ce toit, on avait sauté celui-ci. Pour traverser là, enfin, ce bâtiment, passer, hop, et tomber sur ce toit là-haut. Mais voilà, c'est vraiment changé ici. On peut tomber dans l'eau ? Oui, on peut tomber dans l'eau. Mais on se noie pas dans le jeu. Voilà, donc il nous restera ce niveau, San Diego, à faire. Et ouais, la ville de San Diego. Oui, 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 comme dans le film. Où c'est que maman ne va pas être très contente parce qu'on va récupérer un petit à lui. Et je crois que... Mince, je me suis bloqué comme un con. Je crois que j'avais récupéré une brique. Ouais, un mini-kit. J'avais pas fait exprès. Ça, c'était... à croire que c'était fait exprès. Limite scripté. C'était limite scripté parce que quel que soit l'endroit où je vais avec le véhicule, eh bien je ne pouvais pas l'éviter cette brique. Mais bon, ça on le reverra quand je vous jouerai le niveau. Voilà, voilà. Bon, maintenant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vais vous rappeler les informations que je donne à chaque fois. Donc déjà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Un pouce bleu égal à merci, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo. J'y réponds à chaque fois. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le pseudo en dessous de la vidéo, mais aussi sur le lien directement dans la description, c'est un lien direct de confirmation. Ça vous prend 2 secondes et c'est gratuit, et vous aurez plein d'autres vidéos, à savoir la suite de ce let's play, mais ainsi que d'autres let's play, des tests découvertes, des tutos, des unboxings, etc. etc. Il y a pas mal de vidéos à voir sur la chaîne pour les jours et les mois à venir. Voilà, voilà. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi que j'ai une page Facebook dont le lien s'affiche en ce moment même en bas de la vidéo, ainsi que dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et liker la page pour suivre toutes les news qui ont un rapport avec la chaîne, à savoir donc les dernières vidéos en date, mais aussi tout ce qu'il y a en rapport avec la chaîne. Donc voilà, je parlais de mes problèmes Windows 10, je parlais de mes problèmes de connexion internet, chose qui est toujours d'actualité, hein, mais bon. Voilà, voilà. Je vous tiens au courant sur ma chaîne quand il y a des choses à dire. Voilà, voilà. Bon, en attendant votre prochaine vidéo, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.